entrepreneuriale. C'est pas gros. Autour de la queue, ben pas de la queue, de la nuche. Mais là, la queue est, a été maganée un petit peu par le piège, donc probablement de la queue, elle va être coupée. Bon. Comment ça de l'avoir, hein? Le plus long, c'est de le partir. Il faut voir s'il est de l'angle. Des petits animaux comme ça, là. Un truc que j'ai appris. Prenez une épingle à linge. On va vous le montrer. Prenez une épingle à linge. Vous le rentrez à l'intérieur. Quand vous tirez actuellement la queue, elle va venir avec. Oui. Tadam. Donc on va retasser. Et voilà. Voyez la queue. Quand on épingle à linge, ben, la même était déjà cassée à la queue, puis vous voyez, elle n'a même pas déchiré. Donc, elle vient déchirer. On va y laisser le bout qu'il y avait, elle était cassée à cause du piège. Donc, on descend ça lentement, en faisant attention de ne pas trop briser la fourrure. C'est de tenir la bête. Vous voyez les deux pattes. Donc, quand vous voyez les deux pattes, vous mettez votre doigt à l'arrière, vous rentrez, vous tirez. Top! Une patte, faites la même chose. En arrière de la patte, vous rentrez votre doigt, vous tirez, et voilà. Continuez jusqu'aux oreilles. Là, vous coupez les oreilles. Une oreille. Deux oreilles. On descend jusqu'aux yeux. On arrive au nez. On coupe le nez. Et voilà. Donc la prochaine étape, c'est on va le mettre sur son moule. Toujours centrer les pattes. Donc on peut voir que les deux pattes sont centrées. Petit bout de queue. On va enlever le restant là, de petit peu de viande. Là. Il n'y a pratiquement pas de dégraissage après à faire. Donc on va y mettre des pins. Mettez une pin à chaque côté de la queue, bien centrée, tirez pas trop sur le cuir. Venir le fendre la petite queue.
On va couper un peu les pattes. Je vais rentrer par en dedans. Donc en séchant, ça va donner une plus belle finition. Il faut couper la lèvre. Vous voyez, ça fait un gros rond, là, j'ai coupé la lèvre. Tu files chaque barre. Donc, il va rester juste à la queue. Vous pouvez mettre un petit grillage ou vous pouvez y mettre des pins aussi. Là. Moi, j'aime bien mettre des petites pins de travers. Là.